Eh bien salut tout le monde, c'est Geek et TestiTech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais donc vous présenter une petite manette gaming vraiment pas chère. Donc une manette gaming pour seulement 20€ de la marque SOG, donc Spirit of Game. C'est parti, donc on va la déballer, vous allez pouvoir un petit peu en juger par vous-même de la qualité du produit. Donc c'est parti, donc je m'excuse encore, problème de luminosité, mais ne vous inquiétez pas, ça va changer dans les prochaines vidéos à venir. Voilà, donc je l'ai déjà ouvert tout à l'heure, on va pas voir grand chose. Donc là je dois vraiment à l'arracher. Hop. Donc cette manette est compatible PS3, PC et Xbox 360. Oh putain, je me suis piqué. Allez c'est parti, bon, putain je dois vraiment à l'arrache. Par contre j'espère qu'il n'y a pas une notice. Voilà, la manette est enfin déballée. Donc elle se présente comme une manette de PS3. Donc hop, bouton. Après il y a des options, Select 9, Turbo, effacer, donc clear, starting et mode, voilà. Les petits joysticks, franchement, waouh, propre, bonne fluidité. Des petits boutons. On va la sortir de son emballage en plastique. R1, R2, L1, L2, voilà. Donc, voilà ce qu'il y a pour le bouton, SOG, l'inscription de la marque. Les joysticks, donc une très bonne prise en main, franchement, très très bien. Les joysticks, hop. Donc, je vous ai pas précisé, mais cette manette, donc, est, a quand même quelques petites caractéristiques assez sympathiques. Donc, je reprends la boîte. Donc, elle a deux sticks analogiques, elle a deux moteurs de vibration. Donc, comme sur les moteurs de, comme sur les manettes de PS3, donc, une manette de PS3 ou PS4, ça ne coûte pas 20€, donc voilà. Elle a des LED d'indication derrière, oui, donc je vous ai pas montré, voilà, ici, les 4. Le nombre de la manette, parce que vous pouvez en collecter plusieurs grâce à ce petit truc que vous reliez à un boîtier, voilà, grâce à ce petit truc, voilà. Donc elle se branche en USB ou un autre port, voilà. Il y a 12 boutons et voilà, donc c'est à peu près une manette classique mais plutôt sympathique. Quand vous n'avez pas trop de thunes, voilà, vous achetez une petite manette tranquille, sympathique, pour seulement voilà 19,90€, et voilà. Donc une petite manette pour jouer par exemple à FIFA sur un PC, c'est plus pratique et puis c'est sympathique. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour des prochaines vidéos. Sauf quelques petites surprises que devraient arriver d'ici un mois. Je vous en dis pas plus. Allez, ciao tout le monde et abonnez-vous si cette vidéo vous a plu.